Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, petite séance de renforcement musculaire avec une méthode douce, donc gym postural. On commence pieds serrés au départ pour un petit échauffement gentil. Décontracté, relâché, on peut prendre des petits poids ou des petites bouteilles pour faire un petit travail supplémentaire. Au départ, genoux fléchis, on ouvre la cage thoracique, on ouvre les bras un petit peu, on décolle les talons, on reste fléchi et dos droit. Le sommet de la tête est tiré et grandi vers le haut. Demi-pointe de pied, jambes tendues, toujours au dos grandi. On va commencer déjà à rentrer le nombril en dedans, maintenir gainé en profondeur, le transverse. On va monter les bras au-dessus de la tête, bras tendus, on va fléchir les bras derrière la tête, le nombril est toujours maintenu, rentré en dedans, on va ramener les bras vers l'avant, on baisse les épaules, on étire le cou, bras tendus devant, le cou grandit, en ouverture vers l'extérieur et loin vers l'arrière, on cherche à coller entre les omoplates. On relâche sur le côté, on redescend un petit peu les bras pour étirer le cou, on ne relâche pas complètement, on va poser uniquement le genou, le pied gauche et le genou un peu fléchi à gauche. Ouverture sur la jambe droite, on fera attention de toujours penser à garder notre nombril rentré en dedans, on fera attention de ne pas relâcher la fesse qui porte, de ne pas déhancher sur le côté, on maintient contracté ici. Pensez à serrer la taille, serrer, contracter les obliques. On emmène la jambe vers l'arrière, en équilibre. Les bras sont tendus vers l'arrière. Et là, très important, notre nombril toujours en dedans. Les épaules basses, le cou grandit, on regarde un point fixe au sol. Concentré pour la stabilité. La fesse est contractée derrière et on ne relâche pas les abdos. On cherche toujours l'autograndissement de la colonne vertébrale. On va revenir sur le côté. Et on va reposer pieds parallèles, largeur de bassin. On pousse les fesses vers l'arrière, on creuse la région des lombaires, on emmène les petits poids un petit peu vers l'avant. On est au maximum sur les talons, limite de basculer vers l'arrière. Pas de genoux vers l'avant pour ne pas écraser les ménisques. Poids du corps au maximum sur les talons et on peut danser avec les orteils. Épaules basses, cou grandi et creux en bas du dos. Épaules vers l'arrière, l'ouverture de cage thoracique. On se redresse. Notre poids du corps est sur le pied droit, l'ouverture sur la jambe gauche. Petite rotation interne pour la hanche à gauche ou tout droit. Attention de ne pas placer la jambe en ouverture. On fera attention de ne pas lâcher la fesse droite et de maintenir notre nombril rentré en dedans. Baissez les épaules et étirez le cou. Pas trop haut pour les bras. Le nombril est toujours rentré en dedans. Maintenu serré en profondeur. Le sommet de la tête qui tire vers le ciel. On penche le buste vers l'avant, on emmène la jambe gauche vers l'arrière. Le poids du corps équilibré sur notre pied, sur notre jambe légèrement fléchie. La fesse est contractée à gauche, épaule basse, cou grandi. On ramène la jambe sur le côté gauche, grandit, sommet de la tête étiré vers le haut. On repose pieds parallèles, largeur de bassin, les bras vers l'avant. Les paumes de main tournées vers le ciel, main en supination. Creux au niveau du bas du dos, épaules vers l'arrière, sommet de la tête étiré vers le haut.
Gardez les bras placés, les coudes près des côtes et on décolle, jambes raides tendues sur demi-pointe de pied, notre poids de corps sur les gros orteils. Les épaules basses et le cou auto-grandi. Attention de ne pas casser les chevilles vers l'extérieur. On va contrôler la descente, freiner la descente des talons et reposer les pieds à plat. Ici, un petit travail pour les cuisses. On va se placer très large. Les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux fléchis. On va chercher à ouvrir les hanches vers l'arrière, le sommet de la tête, les bras. Et c'est parti pour 30 secondes. Sans bouger, bien contracté, on cherche à ouvrir les genoux en arrière, à serrer fortement les fesses, à maintenir les fesses contractées. Pas trop les bras, ça travaillera pas plus. Épaules basses, cou grandi. On relâche. On fait un quart de tour. On va se placer de façon à avoir la jambe droite vers l'arrière. Un grand pas en arrière. On place nos pieds sur deux axes différents, pas sur la même ligne pour être stable, mais bien écarté. Ici, notre poids du corps est au milieu. On fera attention de ne pas écraser vers l'avant, de ne pas compresser le genou devant. On n'est pas non plus trop vers l'arrière. On est entre deux. On fera attention au bassin. Le bassin est dans une position neutre, c'est-à-dire la même position qu'on a quand on est debout. Ici, on fera surtout attention de ne pas creuser en bas du dos, pas non plus arrondir. Donc on est placé sur un travail en fente arrière. C'est le genou arrière qui descend en direction du sol et le genou devant n'a pas bougé, reste au-dessus du pied. Les mains ici et c'est parti pour 30 secondes. En maintien contracté, on fixe un point loin devant, détendu pour le haut du dos et les épaules, souple sur le genou derrière. Et là, notre peau du corps, si on veut être sûr qu'on est bien placé, normalement, on peut lever la pointe de pied qui est devant nous. Et le talon derrière, lui, est loin du sol, comme si on voulait grandir avec notre pointe de pied derrière, comme si on voulait aller chercher quelque chose de très haut. Casser l'avant du pied. On prend l'appui sur le pied qui est devant pour ramener un petit peu la jambe derrière. Les bras vers l'arrière, la contraction dans la fesse, on est souple, abdos serrés, gainé en dedans et c'est parti en élévation, concentration pour la stabilité, 30 secondes. Sommet de la tête étiré, les bras décollés, les paumes de main regardent vers le ciel. On ne repose pas complètement, on va ouvrir la jambe sur le côté. Les bras suivent le mouvement sur le côté. Attention, comme dans l'échauffement, de ne pas déhancher la fesse qui nous porte, de ne pas mettre la fesse gauche sur le côté. On est souple sur la jambe gauche, tendue à droite. Et là, on va aller poser notre pied assez loin sur le côté. On revient sur une pointe de pied en ouverture. Et c'est un deuxième passage ici. Les bras tendus vers l'avant, épaules basses. On maintient contracté, on a le sommet de la tête étiré vers le haut. À descendre, à serrer les fesses, les genoux partent en ouverture vers l'arrière.
relâche la contraction. On fait un quart de tour. Ça sera une deuxième fois la jambe droite vers l'arrière. Le pot du corps est au milieu. Le genou arrière fléchi. Les paumes de main de chaque côté des côtes. C'est parti. 30 secondes en fente. On maintient la contraction. Le genou arrière vers le sol. Le talon derrière loin du sol. Et le talon devant en appui. 15 secondes encore. Le dos droit, on regarde loin devant. Comme tout à l'heure, le poids du corps est en appui sur le pied gauche pour lever la jambe droite et les bras derrière. C'est parti, dans la foulée. On maintient contracté la fesse, on maintient serré. Secondes avant d'emmener la jambe sur le côté. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On redresse le buste, on ne pousse pas la jambe un petit peu en dedans sans déhancher la fesse qui nous porte. Sommet de la tête étiré, grandi. Secondes avant de pouvoir reposer. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on décontracte, on détend. Première vidéo, on fait tout de suite le même travail du côté gauche et on repart sur une